Et bon, c'est parti. Troisième. Bonjour, je suis Géraldine Ludger, directrice du POP, le pôle de l'orientation et de la professionnalisation à Université Paris-Cité. Au sein du POP, je coordonne l'ensemble des activités relatives à la construction du projet de formation des étudiantes et des étudiants, à l'élaboration du parcours d'insertion professionnelle des diplômés. Mon métier consiste à la fois à accompagner la communauté étudiante, notamment sur des questions liées à l'orientation, au stage, à l'entrepreneuriat ou encore à l'insertion professionnelle. J'apporte également un appui pédagogique, que ce soit auprès des personnels enseignants, chercheurs et administratifs, dans le pilotage de leurs projets en lien avec l'orientation et l'insertion professionnelle. Ce qui m'a le plus interpellée et continue de m'animer encore aujourd'hui, c'est vraiment la dimension d'envergure de cette université qui est pluridisciplinaire, historique et en même temps toute nouvelle avec la création du pied cité. Il y a eu des choses à construire, comme le POP, en essayant de remettre tout à plat pour créer un service UP-Cité dans son identité, dans ses valeurs, dans son fonctionnement. C'est un challenge collectif et aujourd'hui encore, c'est un défi quotidien. Stratégie. Déjà parce qu'élaborer des plans d'action, c'est le cœur de mon métier depuis la création du POP. Ensuite, parce que derrière, il y a l'idée d'objectifs communs. Université Paris-Cité, c'est un établissement qui a un rayonnement national, mais aussi international. Ça peut donner le vertige, mais en même temps, il y a une trajectoire principale et des objectifs communs. Et parmi eux, un objectif très important pour un personnel d'orientation et d'insertion professionnelle comme moi, c'est la réussite des étudiantes et étudiants. Et c'est ce qui me stimule au quotidien. Travailler dans un environnement avec différents profils, différents métiers et de multiples compétences. On ne travaille pas dans l'entre-soi, c'est ce qui fait la richesse de notre établissement. C'est de piloter des projets d'envergure, en équipe, et surtout la partie réflexion en amont. Lorsqu'on part d'une simple idée et qu'on crée un tout nouveau dispositif d'information ou d'aide à l'insertion professionnelle. Ça, c'est vraiment une chose qui me booste. Cette année, on a déjà eu plusieurs projets passionnants. Donc je pense par exemple à l'accompagnement des étudiants et des étudiantes sportives de haut niveau avec le référent, au projet de création d'un forum autour des formations et des métiers de la santé globale, à la mise en place de séances de photos professionnelles ou encore au niveau régional sur le thème du continuum lycée-université où le POP pilote la création d'une ambassade interuniversitaire. Alors, j'interviens sur des conférences dans les salons d'orientation depuis plusieurs années. Une fois à la fin d'une conférence, une maman est venue me voir à la sortie assez impatiente. Il se trouve que c'était la deuxième année qu'elle venait à cette même conférence parce que mes conseils avaient permis à son enfant de s'inscrire à une licence bidisciplinaire à l'université. Et elle tenait absolument à revenir pour me remercier, mais aussi dans l'espoir d'inscrire son deuxième enfant à l'université. C'est ce genre d'interaction qui, selon moi, donne tout son sens à notre métier.